Dans le lointain royaume de Phrygie, aujourd'hui la Turquie, une prophétie disait que le nouveau roi apparaîtrait sur une charrette à bœufs. C'est ce qui arriva lorsqu'un paysan connu sous le nom de Gordius apparut. En l'honneur de Zeus, il attacha le char à bœufs devant le temple du dieu suprême avec un nœud qui ne pouvait être défait. Sa progéniture régna sur cette terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'héritier. Une nouvelle prophétie fut annoncée. Celui qui dénouerait le nœud aurait le monde entier à ses pieds. Mais beaucoup essayèrent et échouèrent. C'est alors que le jeune conquérant macédonien Alexandre apparut dans ce pays et apprit la prophétie. Il analysa soigneusement le nœud et constata que la tâche était difficile. Mais apparemment éclairé par les dieux, Alexandre leva son épée et trancha le nœud qui retenait la charrette au pilastre. En tranchant le nœud gordien, Alexandre montra à tous que souvent, un problème apparemment insoluble peut être résolu simplement et facilement. Comme cela avait été prophétisé, Alexandre le Grand conquit un immense empire et mit à ses pieds la quasi-totalité du monde connu.